c'est Chal et je suis trop trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre Season Dream Challenge. J'ai pas encore vu vos retours sur l'épisode 1 puisque je tourne celui-là pas très longtemps après avoir tourné le premier épisode. Donc je sais pas encore comment vous avez accueilli ça, si ça vous a plu ou pas. Comme vous pouvez le voir, Peony n'est pas contente du tout et ça s'explique tout simplement parce que moi non plus je ne suis pas contente parce que j'ai eu un gros fail tout à l'heure, c'est-à-dire que je vous ai déjà tourné l'épisode 2 en fait, sauf que j'ai eu la bonne idée de décider de changer mon logiciel pour enregistrer mon écran. Et j'ai essayé d'utiliser OBS, sauf qu'il se trouve que ça me faisait une qualité dégueulasse parce que je savais pas le configurer. Ensuite, tout ce que j'ai enregistré, du coup, c'était une qualité mais horrible, ça laguait tout le temps en fait. Même si en jeu, pour moi, c'était hyper fluide, en vidéo, ça laguait de fou. Et aussi, une fois que j'ai compris comment il fallait le configurer, et bah tout simplement, je pouvais pas filmer avec la même qualité que je peux filmer là maintenant avec QuickTime Player. Du coup, je vais garder celui-ci. Et voilà, on va pas changer, hein. Ça, il faut pas tenter de nouvelles choses comme ça. Du coup, ça fait que j'avais pas mal avancé quand même, c'est-à-dire que j'avais acheté l'établi d'ébéniste, j'avais même pu acheter quelques meubles du coup, j'avais fait quelques petits trucs et tout ça. Et donc j'ai décidé de revendre tout ce que j'avais acheté, établi d'ébéniste, j'avais acheté une petite table, petite bougie, j'ai tout revendu et j'ai remis les fonds assez bas. Il y avait juste le siège qui avait cramé au premier épisode que j'ai remplacé et ça du coup on avait déjà l'argent quand j'ai commencé un deuxième épisode. Du coup je considère que c'est bon, je suis désolée, il y a Kira qui est en train de jouer avec son paquet de croquettes. Oui, du coup j'ai remis les fonds assez bas mais par contre pour ce qui est des petits niveaux de compétences que j'ai gagnés etc... Je peux rien faire parce que quand j'avais déjà sauvegardé en fait, quand je me suis rendu compte que ça faisait une qualité pourrie forcément. Et donc voilà, il y a des choses que je peux pas modifier. Du coup, je vais vous montrer quand même un petit peu... Ah oui, et du coup, on est au jour de l'amour, donc on est déjà arrivé à la Saint-Valentin. On a fait peut-être 2 jours déjà, j'avais filmé 1h30, enfin voilà quoi. Je suis un petit peu dégoûtée, et du coup, au niveau des compétences, je vais vous montrer vite fait où on en est. On est niveau 2 en bricolage, c'était l'établi forcément. Je suis au niveau, ça s'en fout, comédie, nanana, cuisine, on s'en fiche un peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est jardinage, on est niveau 3, et pêche, on est niveau 3 aussi. Voilà, donc j'espère que ça vous dérange pas trop, je suis vraiment désolée, vraiment, j'aurais dû faire plus de tests et tout ça avant. Et puis, elle a son activité de scout dans très peu de temps, donc elle va pas tarder à partir, voilà. Et du coup, moi, je suis pas du tout emballée par cette histoire de jour de l'amour, parce que j'ai pas spécialement envie de lui trouver un copain pour l'instant, en tout cas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout récolter. Et du coup, je vais attendre d'avoir de nouveau suffisamment de sous pour pouvoir me payer l'établi d'ébéniste. Vraiment, genre, pour que vous... Enfin, je voulais pas que vous ne puissiez pas le voir, en fait. Ça me saoulait vraiment. J'avais envie de partager vraiment ce qui se passait dans le let's play avec vous. Et du coup, j'ai décidé de tout supprimer plutôt que d'arriver comme ça en mode « Ah, voilà, on a eu ça. » Bon, bref. Vous comprenez, quoi. Du coup, ah oui, on a eu des nouvelles grenouilles aussi. Bon, je vais vendre les plantes. Et j'avais remarqué quelque chose de très bizarre, du coup, pendant cet épisode filmé que vous ne verrez jamais. Ah bah, Eva a son truc de scout. Oh, elle va être trop mignonne. Oh, mais regardez-la, elle est trop mignonne. Ah, mais elle a pas ses cils, du coup. Ça change, hein. Elle a pas du tout ses cils. Je sais pas si je peux lui modifier la tenue de scout, du coup. Il faudrait que je vois un petit peu ça. Mais bon, voilà, elle est toujours aussi mignonne. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, lors de cet épisode que vous ne verrez jamais, du coup, j'ai réalisé qu'on n'avait pas... Il se passe trop de choses. Attendez, hot dog douteux. Aujourd'hui, les scouts prévoient un festin de hot dog. Peony est responsable de la cuisson et a parfaitement grillé ses saucisses. Elles sont légèrement noircies à l'extérieur et délicieusement juteuses à l'intérieur. Malheureusement, en allant à la table de pique-nique, elle trébuche sur un raton laveur enragé et fait tomber tout le plat de hot dog. Apparemment, personne n'a rien vu, il faut agir vite. Que doit faire Peony? Appliquer la règle des 5 secondes, préparer de nouveaux hot dogs. Non. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui serait bien du genre de Peony? Est-ce qu'elle est plutôt en mode on s'en fout ou plutôt en mode on en prépare de nouveau?
Moi, je dirais que comme c'est une amoureuse de la nature et tout, elle se dit non, mais ça peut pas être sale, la terre. En plus, nous, on vit dans un truc un peu cracra. Et pour elle, bah, quand un truc est tombé par terre, c'est pas forcément direct mauvais. Enfin, vous voyez, vraiment, nous, on bouffe tout ce qu'on trouve. Voilà. Du coup, je pense qu'on va faire appliquer la règle des 5 secondes et on va bien voir ce qu'il se passe. Ah non! Ces 5 secondes étaient apparemment 5 secondes de trop à cause de la négligence de Peony. Toute la troupe a une intoxication alimentaire. Peony a appris qu'opter pour la solution de facilité n'était pas toujours une bonne idée pourvu que tous les membres de la troupe se remettent totalement. Bon, et bah écoutez, c'est pas grave. Et du coup, je ne sais même plus ce que je vous disais avant ça. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que, oui, j'ai remarqué que autour de nous, dans les environs, on n'a vraiment pas... On n'a vraiment pas du tout de pierre à creuser, vous voyez, on peut trouver des cristaux, des fossiles, etc. Au premier épisode, je m'étais dit, bon, je sais pas, c'est peut-être normal, il faut peut-être attendre un peu. Peony est revenue de sa réunion de scout, parfait. Mais en fait, pas du tout, il n'y en a vraiment pas. Et alors qu'il y en a à d'autres endroits, puisque j'avais été aux falaises, et il y en avait. Donc je comprends pas trop, c'est un petit peu bizarre. Et voilà, du coup, je sais pas trop quoi faire. Je suis désolée, j'ai mon chat qui joue derrière, j'espère que vous l'entendez pas trop. Voilà, mais elle décide toujours de mettre un bazar pas possible pile au moment où je filme mes vidéos. Donc, go pêcher, comme ça on se fait notre petit repas. On a attrapé un petit poisson qui est une perche et du coup on a trouvé notre dîner. On va pouvoir tout de suite aller allumer notre feu et peut-être se restaurer un petit peu. Ok, donc au moins elle s'est pas cramée en allumant le feu, c'est déjà plutôt pas mal. Du coup, on va pouvoir faire griller notre petit poisson. Non, mais te fais pas hot dog, mais elle se fiche de moi, mais c'est pas possible ça. Voilà, c'est vachement mieux le petit poisson, ça passe bien, il n'y a pas de souci. J'ai gardé les fraises du coup au cas où on n'a plus rien à manger, ça peut toujours servir, écoutez, voilà. Et on a atteint le niveau 2 de la compétence cuisine, donc ça c'est très cool. Ah non mais elle y tient à ce hot dog, hein, mais non. Tu rigoles ou quoi? T'as un petit poisson grillé tout frais, de qualité excellente, donc tu vas me faire le plaisir de le manger s'il te plaît. Et du coup, oui, je vous disais, par rapport aux pierres à creuser et pour les fossiles et tout, du coup, les cristaux, on n'en trouve pas ici. Et du coup, je sais pas trop quoi faire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous voulez qu'on change de terrain. Éventuellement, je peux sauvegarder tout ce qu'on a dans la galerie et tout simplement la changer de terrain et lui remettre le même nombre de simflous qu'on a maintenant. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez, si on change ou si vous voulez vraiment qu'à chaque fois... on se déplace et tout pour aller chercher des pierres ou quoi. C'est vous qui voyez. Ok, donc on a fini de manger, donc on va aller se coucher. Et du coup, c'était le jour de l'amour, on s'en est pas occupé. Normalement, j'aurais dû essayer de réaliser au moins une ou deux trucs, mais franchement, c'était trop galère. Il y avait des bugs, j'ai galéré les gars, c'était pas possible. Voilà, elle a pas pu faire les traditions qu'elle aime et tout ça, mais bon... écoutez, on fait comme on peut, voilà. De toute façon, je vous avais dit que pour le jour de l'amour, j'étais pas emballée. Donc, bon. Bon, alors, on s'est réveillé et du coup, on a très besoin d'aller faire pipi. Du coup, c'est ce qu'on va aller faire tout de suite à notre petit buisson habituel, n'est-ce pas? Oh, et je vois qu'il y a des grenouilles. Alors ça, c'est intéressant. Alors, grenouille terrapois, c'est celle-là. On va essayer de la faire se reproduire. La grenouille... aubergine surfeuse. Et on n'a pas de nouvelles grenouilles. Alors, on a un autre truc de grenouille juste ici. On a des champignons. Les champignons, on va les prendre comme engrais ou à pas pour la pêche. On a trouvé une grenouille aubergine à pois que du coup, on n'avait pas non plus, je crois. Oui, c'est ça, c'est une nouvelle grenouille. Donc ça, c'est cool. Les fleurs de jacinthe, on va les vendre. Ne vous inquiétez pas, hein, je n'oublie pas l'établi, c'est juste qu'il faut 500 et quelques, je crois, pour l'avoir, donc on a un peu le temps, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, en attendant, on continue avec nos petites plantes. Ok, bah ensuite, on va rentrer à notre terrain, je crois qu'elle commence à avoir faim. On va encore vendre nos jacinthes. Ok, oh, pause. Alors, la jeune fille que vous voyez passer là, c'est moi qui l'ai créée. J'ai créé quelques
quelques ados dans le quartier pour qu'on puisse tout simplement les croiser et se faire des amis. Et du coup, elle, je crois que c'est Ambre que je l'ai appelée. Oui, c'est ça. Je l'ai appelée Ambre. Et du coup, regardez, elle est trop mignonne. Elle est trop trop chou. Et du coup, j'aimerais bien qu'on la rencontre si possible. Parce qu'à chaque fois, je cours après les ados là, mais ils vont tous au lycée. Donc là, normalement, ça devrait aller parce qu'il est dimanche. Enfin, dans la partie du coup que vous ne verrez pas, je courrai après les ados pour essayer de les rencontrer. Mais voilà. Du coup, on va aller lui dire bonjour. Donc, on se présente à elle. On va parler du temps ensoleillé. Ça, c'est nouveau, ça. Moi, je suis contente qu'il y ait du soleil. On va partager des photos. Où tu vas? Ah, on a la fête de Pâques qui commence demain, du coup. Mais par contre, je comprends pas où elle va, là, parce que... Enfin, elle est là-bas. Elle est censée aller lui parler. Et elle court. Je suis désolée pour les lags qu'il y a, mais depuis la mise à jour du jeu, j'ai beaucoup, beaucoup de lags. J'ai eu une mise à jour aussi hier, je sais pas si c'était pour réparer ça ou quoi, mais visiblement, ça marche pas trop. Et mon jeu laguait pas du tout autant avant. Et là encore, j'ai baissé la qualité pour filmer cet épisode parce que ça laguait. Donc ça me saoule très beaucoup. Voilà. Après, quand moi je suis en jeu sans filmer, ça lag pas. Enfin, pas trop. C'est vraiment quand je filme, ça lag. Donc ça me saoule un peu. J'aimerais bien qu'on ait une amie avec elle. La félicité, peut-être pas. On la connaît pas. Discuter du dernier livre. Enfin, vous voyez, j'ai vraiment baissé la qualité, là. Si vous regardez un peu plus loin, on voit pas grand-chose, quoi. Mais pour autant, ça lag quand même. Donc, je comprends vraiment pas. Ça me saoule. Ça m'agace. Ah, oh, elle aussi, je l'aime trop. Attendez. Hop, pause. Regardez, vous voyez la jeune fille que vous voyez là, je l'ai créée aussi. Et je l'aime trop. Je la trouve trop, trop mignonne. Du coup, si ça vous dit que je vous la partage dans la galerie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous la partagerai, il n'y a pas de souci là-dessus. Je m'occupe de tout. Mais du coup, j'aimerais bien qu'on soit amis avec elle aussi. Je l'ai appelée Betty. C'est trop cool. Je voulais absolument qu'on les rencontre. Et quand j'ai filmé et que ça n'a pas fonctionné, du coup, j'étais en train de les chercher tout le temps. Alors que là, on tombe dessus comme par magie. On va peut-être trouver un sujet de conversation un peu plus intéressant que le temps qu'il fait. Genre faire connaissance, peut-être. On va se plaindre des problèmes. Elle est rat de bibliothèque comme nous. Du coup, forcément, on va bien s'entendre, notre petit rat de bibliothèque. C'est obligé. Ok, bah c'est pas grave, on va rentrer à notre petit campement. Ah, et à la réunion de scout dans une heure encore. Mais on n'est pas au top là, on a faim. Est-ce qu'on pourrait se manger des petites fraises? Parce que je sais pas si elle mange chez les scouts du coup. Oh les lags, mais j'en peux plus. Je ne sais pas quoi faire les amis. Si vous avez des solutions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que là j'en peux plus des lags. Ok, donc au niveau de la faim là ça va. Le divertissement, elle est pas ouf, mais je sais qu'on peut lire un magazine. Ah bah, elle part pour les scouts. Du coup, bah on va la retrouver juste après. Et elle en est revenue. Donc ça c'est cool. Elle va tout de suite aller du coup lire son petit magazine dans sa tente. Bon, du coup les amis, ce que j'ai fait, c'est que je me suis occupée du jardin et tout. On a vendu plein de plantes. Et du coup, on peut maintenant s'acheter l'établi d'ébéniste. On a attrapé une pomme, ok. Du coup, c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, donc je l'ai pris de cette couleur-là. Et au final, il coûtait quand même 750. Du coup, il ne nous reste que 4 simples, ce qui n'est pas beaucoup. Voilà, donc on peut vraiment, vraiment rien s'acheter d'autre. Et on commence à avoir faim. Du coup, j'ai envoyé Peony pêcher un petit poisson pour ce soir. J'espère qu'elle va nous attraper quelque chose. Parce que voilà, ça fait un peu plus RP que d'aller se faire des fruits ou quoi. Ah, alors on a attrapé un nouveau poisson. Un chichlidé. Ok. Du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller allumer notre petit feu. Hop, allumé. J'ai l'impression que ça bug moins, les amis. En fait, j'ai essayé de refroidir mon ordi un petit peu parce que j'ai remarqué qu'en fait, il était en train de chauffer pas mal.
Donc ça a l'air de plutôt bien fonctionner là, ça va beaucoup mieux quand même. Donc on allume et puis du coup on va pouvoir faire griller notre petit poisson. Voilà. Bon, notre pomme elle vaut 3 simflouzes, on va peut-être la garder. Je vois pas trop l'intérêt sinon. Et je voulais regarder si au niveau des scouts on avait des choses à faire du coup. Parce que j'ai vu qu'on pouvait avoir des choses à faire. Oui, obtenir 2 badges de scout supplémentaires et consulter la progression des badges sur le tableau des badges de scout. Ok, donc ça sur le tableau des badges, on va le faire. Voir la progression des badges. Alors, donc là, on consulte un petit peu, on voit qu'en travaux manuels, on est à 3 sur 6. Ça devait être avec l'établi parce que j'ai créé 2-3 trucs. Aider les autres, nanana, jeune scientifique, forcément, on a 0. Et du coup, j'ai dit qu'il n'était pas obligatoire de compléter celui-là. Mais sinon, pour les autres, on avance plutôt bien. Bon, elle n'est pas très bien, mais j'aimerais bien qu'ensuite, on commence à utiliser un petit peu l'établi. Ah, bah, elle est partie se coucher. Bon, bah, c'est pas grave, elle va dormir comme ça, elle se lavera tôt demain. Et on ira pêcher parce qu'il faut vraiment que je m'habitue à prendre des petits poissons d'avance. Alors les amis, on est les petits confettis, puisqu'aujourd'hui, eh bien aujourd'hui les amis, c'est le jour de Pâques tout simplement. Du coup, on va voir un petit peu ce qu'on a à réaliser. Elle a déjà faim. Ah, elle s'occupe des plantes toute seule, c'est trop cool. Des œufs peints colorés sont cachés sur votre terrain. C'est le lapin qui vient. On doit inviter des amis. Cuisiner. Non, ça des pâtisseries, on va pas pouvoir en faire pour l'instant, vous voyez. Mais par contre, le reste, on va pouvoir le faire normalement. Du coup, on invitera des amis, on fera une petite chasse aux œufs, et puis on essaiera de retrouver notre ami le lapin, du coup, qu'on a déjà vu pour la fête des fleurs. On peut même chasser des œufs dans les buissons, c'est trop bien. On atteint le niveau 4 de la compétence pêche. Bon alors, ça chope du poisson, oui ou non? Dépêche-toi, s'il te plaît. Mais non! Ah, c'est bon, on a pêché un poisson, du coup on va arrêter de pêcher. Elle va juste aller se faire un petit pipi et tout ça, et puis ensuite on va faire cuire notre petit poisson. Les assiettes commencent à s'accumuler, les amis. Le prochain achat, c'est une poubelle. Voilà. Donc, on est revenu, on va pouvoir allumer notre petit feu, voilà. Se faire griller notre petit poisson. Ouh, le courrier a été distribué. Ça veut dire qu'on a des factures, j'imagine. Mais nous, on s'en fiche parce que... Quoi? 122? C'est super cher. C'est énorme, 122, non? Pour ce qu'on a sur notre terrain, franchement... Bon, bah écoutez, je pense qu'on va pas les payer parce que de toute façon, nous, on s'en fiche si l'électricité, elle est coupée, on n'en a pas besoin. Donc, on n'en a rien à faire pour l'instant. Bon, écoutez, du coup, je vais la laisser faire son hot dog parce que je considère que quand même, on avait un poisson. Et là, le jeu nous dit qu'on n'en a plus. C'est un peu bizarre. Mais du coup, je considère qu'elle peut se faire son hot dog parce qu'on avait un poisson, qu'il y a eu un bug. Et voilà, si vous avez des bugs, des choses comme ça, n'hésitez pas à adapter votre gameplay. Oui, ça va beaucoup mieux. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va certainement vendre cette grenouille déjà. Ensuite, on va aller vendre nos plantes. Et ensuite, on pourrait du coup inviter Betty et Ambre. Parce qu'il faut qu'on invite des gens pour la fête de Pâques. Et pourquoi pas faire la petite chasse aux œufs ensemble. Je pense que ça pourrait être très sympa. Bien, ça nous fait plein plein de sous. On remonte vachement bien là. Vous voyez, même si on n'a pas 40 000 plantes, on arrive quand même à faire des petites choses sympathiques. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter Betty et Ambre. Voilà. Hop, inviter à venir sur le terrain actuel. Ambre aussi, et le lapin des fleurs, à la limite, on pourrait l'appeler directement en fait. Non, on peut pas, ça m'aurait étonné. Ok, et du coup, on cherchera des petits. Oui. Je sais plus ce que je voulais dire. On cherchera des petits œufs ensemble. Et on a Betty qui est déjà là. Et du coup, je comprends pas pourquoi ça a pas validé le. On va essayer de chercher des œufs. Du coup, j'ai vu qu'on pouvait éventuellement chercher des œufs dans le buisson dans notre buisson de pipi. Ah, il est là! Le retour du lapin, il est trop mignon. On ne peut pas chasser des œufs ensemble, c'est dommage. Ça aurait été trop cool. Je ne sais pas à quel autre endroit on peut éventuellement chercher des œufs. On peut dans la tente. Ils ont dit de cliquer sur des éléments. Bon, en tout cas, on a validé la tradition, donc c'est déjà ça.
Vous avez déjà cherché ici? Bah oui, mais j'ai rien sur mon terrain, moi. Que veux-tu? Je cherche où je peux, hein. Bon, en tout cas, on peut chercher des grenouilles. C'est déjà ça. Oh, les décorations trop choues, j'adore. C'est trop mignon. Ah, bah déjà, il y a un autre buisson ici. Du coup, là, normalement, on devrait pouvoir chercher des œufs ici. Oui, on peut chasser des œufs. Bon, bah écoutez, ça nous fera deux endroits. Et puis ensuite, on rentrera chez nous parce que je ne crois pas qu'on puisse le faire à d'autres endroits. Faudrait que je me renseigne pour savoir dans quel genre d'objet on peut chercher des œufs. Mais du coup, ce que je trouve dommage, c'est qu'on puisse pas faire une chasse aux œufs ensemble, quoi. Et ensuite, du coup, il faut qu'on parle un petit peu au lapinou, quand même. Ok, donc c'est bon, elle a cherché des œufs. Je sais pas si elle en a trouvé. Ah, est-ce qu'on a des œufs dans notre inventaire, du coup? Oh oui, oh non, c'est trop mignon, j'adore. Oh non, œufs décorés. Oh, les gars, je veux faire une collection d'œufs de Pâques. C'est mort. Je vous le dis, on aura une collection d'œufs de Pâques. Là, je vois pas trop où on peut en chercher encore, mais si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, surtout. Mais c'est trop bien, quoi. Non, elles s'en vont, on a à peine pu discuter avec elles, je suis deg. Non, mais ça ne sert à rien de contempler un plant d'oignon, tu le sais, ça. Moi, je suis passionnée par les oignons. Ok, où est le lapin? Ah, mais on a super faim, en fait. Du coup, on va remanger des champignons. Voilà. Manger. Ah, ok, elle a froid. On va la changer de tenue. Changer de tenue. Bon, bah, les amis, j'ai beau chercher, je ne trouve pas ce lapin. Il a tout simplement disparu. Donc, écoutez, si on le croise, ce sera bien. Et puis, bah, sinon, voilà. On aura quand même rempli deux traditions. Donc, c'est plutôt bien déjà. Pas mal. Tu vas aller faire ça. Et du coup, moi, je pensais que ça allait être sympa et tout, que ça allait nous remonter notre social, mais pas du tout. Il est toujours aussi bas. C'est catastrophique, les amis. Jour férié de Pâques était horrible. Mais attendez, on a réalisé deux traditions. C'est une blague. Mais je suis triste. Tout ça parce que le jeu, il bug et tout. Ça m'énerve. Je suis dégoûtée. Bon, vous savez quoi? On va fabriquer. Ah oui, du coup, on a assez de niveau pour fabriquer un meuble. Mais j'aimerais bien fabriquer une petite sculpture de cheval comme j'avais fait. Parce que c'était vraiment beaucoup trop mignon. Voilà. Ah! Bon, bah, elle l'a foiré, je crois. Hein, parce que, vu la tronche que ça a, la notif. Voyons voir ce chef-d'œuvre. Ah oui, ça ressemble à ça. C'est-à-dire à rien du tout. Littéralement. Bon. Écoutez, on va la vendre. Bon, bah, on gagne quand même 10 simflouzes. Écoutez, franchement, pour ce qu'on a fait, c'est pas mal. On commence à avoir faim. On n'a toujours pas de poiscaille. On pourrait peut-être aller essayer de se pêcher un petit poisson juste pour manger. Ces cours commencent dans 1 heure. Mais on s'en fout parce qu'on n'y va pas, tout simplement. Mais non, sois pas triste, poulette. Tout va bien se passer. Ah, on a attrapé une pomme encore. Moi, j'aimerais bien des poissons, s'il vous plaît. Pas des pommes. Ah, on a eu un poisson. Nickel. On a attrapé une perche. Ok, super. Du coup, elle va arrêter de pêcher. On va aller s'allumer notre petit feu. Non, c'est pas un fraisier en buisson, c'est un feu. On va se faire notre petit poisson grillé, du coup. Ah, demain, c'est le jour des farces. C'est-à-dire le 1er avril, du coup. 24 heures pour payer nos factures. Oui, mais on s'en fout, nous. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle avait son poisson il y a 2 secondes et maintenant elle se fait un hot dog. Wow! Ah, c'est bon, elle m'a fait peur, j'ai cru qu'il y avait un incendie. Et les amis, l'épisode commence à être un petit peu long, du coup c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et un petit commentaire pour me le faire savoir. N'hésitez pas à vous abonner également si ça n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche des notifications. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, en tout cas moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!